Enseignement aux époux et divorcés d'un prêtre exorciste. Fête de Notre-Dame de Guadeloupe, le 12 décembre. Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Enseignement du Père Santé Baboline. Le démon ne supporte pas les époux qui s'aiment. Cette affirmation est celle d'un exorciste, le Père Santé Baboline, qui interpellait un jour le démon sur la raison des tourments que celui-ci infligeait à l'épouse d'un de ses amis. La réponse du démon fut « Je ne supporte pas qu'il s'aime ». Et pourquoi cette haine ? L'exorciste italien, le Père Santé Baboline, qui a reçu cette charge dans le diocèse de Padoue en 2007, après avoir enseigné 30 ans à l'université grégorienne, a donné son explication dans l'hebdomadaire « Desde la fe ». Satan déteste le mariage parce que c'est le sacrement le plus proche de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous offrons au Seigneur le pain et le vin qui, par l'action du Saint-Esprit, deviennent le corps et le sang de Jésus. Dans le sacrement du mariage, il se produit quelque chose de similaire. Par la grâce de l'Esprit-Saint, l'amour humain devient amour divin. De telle sorte que, d'une manière réelle et particulière, les époux, consacrés par le sacrement du mariage, réalisent ce que dit l'Écriture sainte. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Jean 4, 16. Le prêtre exorciste évoque son expérience et indique un moyen puissant de chasser le démon. L'invocation de Notre-Dame de Guadeloupe. Bon à savoir, Guadeloupe veut dire en langue aztèque « celle qui écrase le serpent ». C'est la très sainte Vierge qui montre son exceptionnelle puissance et sa volonté de mère de ne pas voir ses enfants abîmés. Le Père Santé Baboline invoque toujours Notre-Dame de Guadeloupe en l'appelant « Sainte Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Guadeloupe, Mère de Miséricorde ». Cette invocation est très puissante face aux démons pour deux raisons, selon le prêtre. En premier lieu, parce qu'elle exprime une tendresse maternelle et qu'elle construit son empire par l'amour et non par la terreur. Ensuite, parce que son image de mère exalte la famille, unie par son esprit maternel qui offre l'amour aux parents et aux enfants. Invocation de Notre-Dame de Guadeloupe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Guadeloupe, Mère de Miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitez une dizaine de chapelets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Guadalupe, Mère de miséricorde, conçue sans péché, Vierge bénie, toujours pure, priez pour nous, pauvres pécheurs, qui avons recours à vous. Amen. Notre-Dame de Guadalupe, merci, merci, merci. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.